le CHU ne cesse d'innover, particulièrement en matière de recherche. Des experts internationaux dans les différents domaines de la médecine de précision se sont retrouvés à Rouen pour assister au second symposium P2M organisé par le laboratoire de biochimie métabolique. Autre domaine précurseur, la cardiologie. L'équipe rouennaise a célébré les 20 ans du TAVI, technique non chirurgicale du rétrécissement aortique, qui, rappelons-le, a sauvé la vie de plus d'1 500 000 personnes dans le monde depuis la première implantation à Rouen en 2002. Cette innovation a ouvert le champ de la recherche dans les domaines de l'insuffisance cardiaque et du rétrécissement aortique, des thématiques abordées lors de la première journée scientifique de la FHU Carnaval, coordonnée par la cardiologie du CHU de Rouen. Ce programme transdisciplinaire associe les 4 CHU du G4, Rouen, Amiens, Caen et Lille, et s'intéresse aux questions non résolues liées à ces maladies, dans le but d'améliorer les diagnostics et les traitements en faveur de la population. 2022 marque également la naissance de l'unité INSERM Dynamicure, dont l'expertise porte sur les maladies infectieuses. La double certification du CRB-TMT, troisième centre de ressources biologiques tumorothèque public français à être certifié, ainsi que les 20 ans du centre d'investigation clinique.